Bon les gars, je suis trop contente. Pourquoi? Parce que tout simplement mon ami va se produire ce soir en show drag queen. Et là je suis trop contente. La star du BTS tourisme se produire ce soir en show drag queen. Je suis trop contente et trop fière de lui. C'est incroyable. Du coup, bon, je suis deg parce qu'il n'y a pas toutes mes copines du BTS. Mais on se retrouve à plusieurs pour aller le voir et bien sûr pour le filmer. De cette vidéo, parce que tout simplement je vais vous montrer sa prestation, la prestation de ses collègues, que c'est vraiment une star. Je veux vous montrer cette icône, point. Donc là je vais faire la route, je suis déjà en retard, je suis trop contente, on devait se maquiller, j'ai pas le temps, c'est trop bien. Et je suis trop contente parce que il m'a désigné sa très chère productrice de film. Je vais le filmer et comme ça, ça lui fera un souvenir. À moi aussi un souvenir, et aussi parce que ça lui permettra de garder des images de sa première apparition sur scène, et il pourra l'utiliser après pour son futur dans le milieu. Donc je suis trop content. Donc là bien évidemment il pleut pour changer, et ben voilà, je vais y aller, il va faire nuit, ça va être super, je vais retrouver mes copines et tout. Oh my god, c'est trop bien, je suis trop contente. Bah, c'est Lady Souche, bonsoir. Non mais... C'est ma première performance aujourd'hui
Et suite à cette performance, cette première performance, je me sens contente parce que en vrai, je suis super contente d'avoir franchi ce cap. Je pensais pas que je le franchirais aussi vite et franchement, je suis hyper fière de franchir ce cap. Et j'étais hyper stressée sur le moment et je suis contente que ça se soit pas vu. Et je suis contente des retours et je suis contente que tout le monde ait applaudi, etc. Et ça me motive encore plus pour la suite et ça me donne que envie de pas persévérer, de continuer dans le drag et d'être à fond quoi pour la suite. Ok, super, bah merci beaucoup. De rien, merci. Bon, on est le lendemain, je vous fais une petite réaction à chaud, entre guillemets, c'était incroyable. Déjà, l'ambiance était ouf, parce que, en fait, le genre d'ambiance des drag shows, c'est incroyable. Tout le monde fait ce qu'il veut, entre guillemets, et il n'y a aucun jugement, et tu sens grave de la bonne vibe, en fait. Et on n'est pas habitué à ce genre de choses, mais c'était trop bien. Et alors après, trop drôle parce que en fait on est arrivé, il y avait déjà énormément de monde, donc on était dans un endroit où on ne pouvait pas voir bien comme il faut, et pour filmer c'était pas facile. Donc je suis allée tout au fond de la salle, j'ai demandé au barman pour me mettre dans le bar pour filmer, et en fait il m'a fait passer devant plein de gens. Donc après j'étais devant, vous verrez la différence des plans, c'était incroyable, c'était trop trop bien. Et vraiment, Rémi, mais star. Sans être son ami, pour moi c'était la plus belle performance, parce qu'en fait tout le monde à crier, l'a acclamé, à danser, à applaudir. Mais c'était phénoménal. Genre vraiment, c'était exceptionnel. Vraiment, je suis trop fière d'y être allée. Et je suis trop fière de lui et d'eux parce que c'était vraiment ouf. Ils étaient trop beaux. Ils étaient trop stars. Ça tapait de ouf. Genre vraiment, c'était exceptionnel. Je suis trop contente. C'était génial. Les gens, ils sont trop gentils. Et c'était vraiment super. Je suis trop contente. Je suis trop fière de mon copain. Donc voilà, j'espère que c'est le début d'une très longue histoire et que je pourrai le filmer encore pendant longtemps, mais c'était exceptionnel. Genre vraiment, ils peuvent être tellement fiers d'eux parce que c'était incroyable. Bon, après j'ai filmé pas toutes les performances, mais je pense que je vais pas tout vous montrer parce que j'ai pas demandé l'autorisation des gens et j'ai pas envie qu'ils soient sur YouTube s'ils ont pas envie, etc. Donc je pense que vous verrez Rémi parce qu'il m'a autorisé à le mettre et parce que vraiment trop star ce mec. Mais je sais pas si je vous mettrai le reste parce que je veux pas non plus déranger, je veux pas causer de problème et je veux pas qu'ils soient visibles s'ils ont pas envie, etc. Mais en tout cas c'était exceptionnel.